Bon, salut à tous, voilà la vidéo changement de support de plaque par un support de plaque rétractable. Donc voilà, la première étape c'est enlever les vis du support de plaque, l'enlever, de l'autre côté débrancher les fils qui sont reliés au feu, comme ceci, on tire le câble, il y a tout qui vient. Donc ça va se fixer aux deux trous qui sont là d'origine, tout simplement, comme ceci. Prochaine étape, enlever les vis là, celle-là je l'ai déjà enlevée, elle est là. Donc là, il y a un écrou, et là tu dévisses. Donc voilà, vous avez le feu ici, le support ici, là on va dessiner une ligne, celui-là, hop, et on va couper tout le contour, et ensuite vous verrez, je vous montre ici. Où je reprends, voici ce que j'ai fait. Bon, c'était un peu à l'arrache, mais bon, je vais reprendre un peu. C'est pas fait pour être regardé à la louche, comme on dit. Donc ça va partir comme ça. Tac. Et après, on va mettre le support. Donc voilà, j'ai recouvert les bords ici avec de l'époxy métal bicomposant. Ça coûte 15 balles, je crois. C'est juste tout simplement pour renforcer les côtés pour pas que ça casse, tout simplement. Au milieu, j'ai mis du scotch en tissu pour que ça vienne délicatement ici sans rayer ni que ça casse. Voilà ce que ça donne la fixation. Là, je laisse sécher l'époxy bicomposant. Puis ça ira hop, comme ça. Puis après, on met le feu et après, on met notre partie. Et je vous reprends. Voilà, parce que j'en ai mis ici. Ici, bon, un peu à l'arrache ici, mais ça va le faire. Une fois que vous avez nettoyé votre truc, le temps que ça sèche, votre pièce, vous la prenez. Vous prenez de quoi l'accrocher. Moi, en l'occurrence, je vais prendre ça avec des vis que je vais positionner ici et ici. Tac, voici la platine. Bien placée, bien attachée maintenant. Hop, on prend le feu. Et on accroche. Tac, on vous retrouve avec votre feu. On peut faire passer les fils là-dedans, comme ceci. Hop, et récupérer là-bas. Si vous avez la flemme d'enlever votre bavette, vous passez une durite, vous scotchez les fils ici, tout simplement, et vous tirez délicatement pour rien arracher. Et normalement, il ressort ici. Voilà, après vous prenez vos mesures, vous percez vos trous. Moi, je vais pas montrer l'autre côté, mais hop, les trous ils passent pile poil ici, ici, en bas et en bas. Ensuite, vous mettez vos rivets et voici votre plaque qui se plie, qui se replie. Donc voilà, pour finir la vidéo, j'ai mis les rivets, quatre côtés. La plaque, bon, je vais pas vous mentir, c'est bien de la merde. Je pense que je vais bientôt changer les fixations ici parce que ça vibre, mais sinon ça fait le taf. Hop. Là, elle est bien mise. Hop, là, la clé. Voilà, c'était un peu à l'arrache, mais ça peut servir. Sur ce, regardez.